space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Et salut à tous, c'est Tatin. Comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo Minecraft depuis plusieurs longs mois. Et oui, oui, ça faisait longtemps en effet, ça faisait longtemps. Mais voilà, aujourd'hui, donc comme promis, vidéo tous les mercredis. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale, vidéo détente. Voilà, où je vais vous présenter quelque chose que j'ai déjà fait en vidéo, enfin, quelque chose de spécial, vous allez deviner, hein, vous ne savez pas où je suis, vous ne savez pas, vous voyez que ma tête, et on soit passé en affichage. Voilà, comme ça. Attendez, je vais juste enlever tout ce que j'ai, parce que ça ne sert à rien pour l'instant. Je vais vous montrer où est-ce qu'on est. Alors, on est jusque-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Vous demandez ce que c'est? Oui, on va voir. Des escaliers. Attendez, je vais juste. Et voilà, j'en doutais, c'est pour ça que je lagais un petit peu. Oh mon dieu, c'est rond. C'est rond déjà. Alors, qu'est-ce que c'est si c'est rond? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on est? Et où est-ce qu'on est? On va descendre. Et où sommes-nous, me dites-vous? Attention. On va remonter en haut et je vais vous montrer exactement là où on est. Ça a bien volé. J'ai fait donc deux vidéos dessus, sous forme de diaporama que j'ai fait avec YouTube. Voilà. Et certains ont beaucoup aimé. Voilà, donc je me suis dit, comme c'était une petite vidéo détente, je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo là-dessus. Voilà. C'est suspect. Et c'est là, quand on va arriver tout en haut, que vous allez comprendre exactement ce dont il s'agit. Alors ça, c'est des bugs de chargement. Attention, nous allons entrer. Inconnu. Envoyé là. Ah. Attention, si vous ne devinez pas lorsque je vais remonter, attention, attention, suspense. Cassez-le, c'est pas grave, on s'en fiche. Vous avez reconnu? Bon, pour plus de précision, on va sortir exactement à l'extérieur. Et vous avez deviné! Eh oui, c'est l'USS Enterprise NCC-1701 de Star Trek, la série originale. Eh oui. Voilà, donc je l'avais fait en vidéo sous forme de diaporama. Maintenant, je le fais en vraie vidéo, filmée. Alors, il est un peu différent de la dernière version où j'avais fait une vidéo, même très différent. J'ai modifié pas mal de choses, notamment l'intérieur, ainsi que l'extérieur. L'extérieur, déjà cette partie-là, mais aussi cette partie-là. Voilà. On va aller visiter, donc toujours le fameux truc. Alors après, j'ai rajouté ces... Enfin, les traces de plaques, là, grises, je trouve que ça faisait joli. Alors là, nous avons les stands de tir de phaser. Voilà. Ensuite, nous avons toujours donc, l'ascenseur. Là, vos compartiments. Alors ensuite, ici, nous avons les réacteurs. Ça, je ne sais pas pourquoi.
Parce qu'il y a beaucoup de choses sur la map. Voilà, les réacteurs subuminiques. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est subuminique, c'est une propulsion. C'est la propulsion en dessous de la grande propulsion. Enfin, voilà. Ça va de passer très vite. C'est un truc de distorsion, pour ceux qui connaissent Star Trek. Voilà, donc toujours. Alors, les réacteurs, ça n'a pas changé. Voilà. Il y a des bugs de génération, ça c'est un peu chiant, je dois avouer. Alors j'ai pas fait tout l'intérieur, hein, vous voyez, il reste du boulot. Alors le hangar, oh putain, pourquoi c'est ouvert? Alors le hangar, je l'ai modifié. Je l'ai modifié, on va voir tout de suite en rentrant à l'intérieur. Donc voici le nouvel Enterprise. Il est déjà quand même plus ressemblant de celui que j'avais fait en vidéo. J'ai mis absolument toutes les fenêtres. Donc toutes les fenêtres sont mises. Alors, regarde. C'est pas fini. Hein. Et voilà ce que ça donne. Évidemment, je mets pour ça d'un plan. Du plan du vaisseau que j'ai. Voilà. Et voilà. Alors, ça, enfin, je vais voir exactement ce que je vais mettre. Là, nous avons l'ascenseur. Fameux ascenseur. Là, on est descendu tout à l'heure. Voilà, petite visite guidée. Là, on va remonter. Si j'arrive à remonter. Alors, ça, c'est toujours l'ascenseur. Quoi que non. Plus là. Non, l'ascenseur est là. Ah, donc ici nous avons l'ascenseur. Il sort jusque là. Voilà. Et ensuite, voilà. Vue de dessous, ça donne ça. J'ai modifié un petit peu ça aussi. Voilà, j'ai modifié pas mal de trucs. Et c'est plus joli. Nous aussi nous avons un stand de phaseur. Mais nous avons aussi autre chose. Si vous voyez le petit bloc noir là, je vous montre ce que c'est exactement. C'est juste là. Regarde, elle sortira toujours. Et voici. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le. Moi, je n'ai pas fait la perfection, mais à peu près. C'est le stand de tir de torpilles à photons. Voilà, donc les torpilles en noir, parce qu'elles sont comme ça. Hein. J'ai mis les rails pour les faire rouler sur les rails. Voilà. Pour les faire glisser, parce que c'est à peu près comme ça. Et ensuite, là, je pourrais faire un système de bloc, de commande bloc pour que ça avance vraiment, ça soit vraiment tiré, mais bon. C'est un peu compliqué à faire. C'est un peu casse-couille. Mais pour le mot. Là, donc on va revenir là, ouais, donc c'est l'ascenseur. Ça, c'est le vrai trajet de l'ascenseur, il passe vraiment par là, voilà. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Et là, ça mène directement à la passerelle. Captain Kirk. Et pour ceux qui adorent Star Trek, pour des vraiment fans de Star Trek comme moi, j'ai une surprise pour vous, que je dévoilerai, je ne sais pas très bien quel mois, mais en 2016. En 2016, je dévoilerai la surprise. Et la surprise en rapport avec Star Trek. Je ne vous le dis pas. J'ai déjà commencé à la préparer. C'est pour ça que justement, en ce moment, je ne peux pas trop faire vidéo Minecraft, ni de. Parce que j'ai à la fois ce projet, puis en plus l'école et tout ça, enfin plein d'autres choses. Donc vous le saurez en 2016. Il faudra être patient, il reste encore un mois. Ou plus, ça dépend du mois dans lequel. Je vais voir quand je vais le faire sortir. Alors, ça sera peut-être en août. Peut-être en août. En août. En août 2016. Parce qu'en août 2016, il y a Star Trek Beyond, le 13e volet, qui sort. Mais qui n'est plus produit par J.J. Abrams. Et donc. Et donc en fait,
Eh bien, vous verrez la surprise, voilà, vous verrez. Vous verrez. Voilà. Mais en tout cas, cette surprise, c'est pour les 50 ans de Star Trek. Parce qu'en 2016, on va fêter les 50 ans de la série Star Trek créée par Gene Roddenberry. Et donc voilà. Et je vous rassure, là, on va pas, je vais pas vous quitter là. Pour finir donc cette vidéo, on va d'abord se quitter sur une belle vue du vaisseau d'ensemble. Alors le truc, c'est qu'il est tellement grand que je peux pas avoir tout voir. Je suis obligé de réduire l'affichage. Parce que vous avez vu au début, c'était comment ça s'appelle? La salle des machines. Et attends, tu me. Puis ensuite, là, il y a les couloirs, tout ça, voilà. Les cabines. Je n'ai pas encore tout à fait fait. Et voilà. Mais j'ai pas tout à fait fini, mais je finirai. Voilà. Mais je ne vais pas vous quitter là. On va aller jouer donc, sur Funcraft. Faire un petit jeu. Se connecter. Dis pas mon mot de passe. Et voilà, donc nous sommes sur Funcraft. Alors, qu'allons-nous faire? Un jeu pas mal. Bon, j'aimerais bien juste vous montrer en FreeCube ce que j'avais fait. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas FreeCube, en fait, c'est un petit peu le monde créatif. On a des blocs selon le serveur. Bon, je vais faire un petit peu le compte sur mon monde. On a des blocs limités. Oula, on a des blocs limités. Enfin, par exemple, moi je peux pas prendre de redstone, par exemple TNT. Voilà, je prends la TNT. Je vais la poser. Alors, il me dit on peut pas. Faut être VIP. Et quand je veux pas, et que je veux pas, voilà. Donc, faut construire la main et tout ça. Excusez-moi. Petit tout. Et on est dans une zone limitée, donc vous voyez, voilà. Ouais, oui, bon, ça c'est. Voilà, là je suis dans une nouvelle zone. Voilà. Et là je suis de retour dans la zone. Et attention, voilà. Ça c'est ma connerie. Voilà, j'ai fait le coup un jour, j'ai pété les plombs et j'ai tout inondé. Alors, on arrive à bien voir, mais j'avais fait des immeubles. Voilà, des immeubles. Je voulais faire ma ville. Je fais une petite ville, c'est un projet que j'avais toujours voulu faire. Voilà. Ah! Oh, c'est cool. Il y a quelque chose d'intéressant. Non, je plaisante. Et donc voilà, après, chacun fait sa petite création, tout ce qu'il veut. Moi, j'avais fait ces immeubles. Voilà, c'était juste pour vous montrer ce que j'avais fait. Pourquoi j'ai tout inondé. Juste aller dans le phare. Le phare finalement inondé. Super. On va pas être feignant, on ne va pas l'essayer. Pour le faire un petit peu de space quand même, j'ai quand même pas un peu space. Voilà, c'était le phare que je voulais faire, voilà. Un peu space. Donc voilà. Maintenant on va faire slash floppy, parce que maintenant on va faire un jeu. Et donc on va faire. Oh putain. On va faire. Bon allez, du shootcraft. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas le shootcraft, mais je pense que quand même beaucoup de gens connaissent. Le shootcraft, on a des bâtons, des bêches, ça dépend des serveurs. What? Ok, il veut pas. Bon, j'ai quand même expliqué la règle. Le but c'est de tuer un maximum de personnes dans un temps limité. Voilà, sur une map spéciale. Voyons voir qu'est-ce qu'on va faire. Oh, ça sera trop long. Voilà, fêter les zombies. Bonjour. Bonjour, VIP Loulou. Ok. Dédicace. Ça lag un peu. Donc maintenant je vais dire. Attendez, je vais voir si ceux-là sont libres ou pas. Non. Ok. Attendez, ils disent derrière. À gauche. On va y aller. Ok.
Bon, pour ceux qui connaissent pas Infected Zombie, le but. Donc, il y a. Ok. Donc, il y a. On va plutôt faire celui-là. On peut être jusqu'à 40 joueurs dessus, sur ce serveur. Et donc, le but est de. Il y a des personnes. Au début de la partie, il y a des personnes qui sont zombies et d'autres qui sont survivants. Et donc, pour cette partie, le but. Donc, les zombies de tuer les survivants et le dernier à survivre, le dernier à survivre rapporte le plus de points. Voilà. Après, le but pour les zombies, c'est de tuer un maximum de gens. Bonjour, toi. Et donc, ensuite, si un survivant tue un zombie, il réapparaît. Voilà. Mais il meurt pas. Alors que la différence avec l'autre, ceux qui étaient en face, c'était que lorsque il y avait déjà un nombre égal de zombies et de survivants. Ah, ça va pas commencer. Voilà, bon, on va voir si je suis survivant de zombies. Et je suis survivant. Enfin, les zombies sont pas définis de suite. Voilà, et donc dans l'autre partie, les. Voilà, faut se cacher. Super, c'est la même que je vais faire celle-là. C'est la plus facile. Ah non, je veux me casser. Et donc le but, c'est. Quand un survivant tue un zombie ou quand un zombie tue un survivant, il devenait. Oula. Ah non merde, il y a un zombie là-bas. Il devenait, il mourait, voilà. C'était vraiment une guerre, quoi, une vraie guerre. Il y a des mecs qui sont en train de crever. Bonjour survivant. Ah ben voilà, humain si riche est mort, voilà. Premier mort. One dead. Je vais me mettre sur ici. Ah, et on va observer. Non, je plaisante. On va aller combattre. Essayer de combattre, mais le problème c'est que je lag un peu, du coup ça va être un peu chaud. Je vais éviter de perdre des coeurs, c'est très bête. Alors, on va aller combattre. Allez, YOLO! Ok, d'accord. Il n'y a aucun zombie. Si là, il y en a. Voilà, je me fais tabasser. Voilà, je me suis fait tabasser. Voilà, c'est bon, je suis zombie. Super. Ah oui, si vous voyez des coffres du néant quand vous êtes survivant, il faut les casser. Oula. Ouf, c'est des débandades. Oui, j'en ai tué un. Yes. Ah voilà, le premier mort fait un carnage, évidemment, c'est logique. Ah, donc à chaque fois que vous cassez un de ces coffres du néant, vous obtenez quelque chose, un armement supplémentaire. Ça peut être une épée. Il est mort. Il est dead. Non, même pas. Vous obtenez une épée, un bouclier, voilà. Un torse. Voilà. Des armures. Et différents niveaux d'épée. Ok, je crois qu'il est mort, le mec. Non, il est pas mort. Il est pas mort. Non, il est pas mort. Sinon, ça va être affiché. Donc voilà, ce petit jeu bien sympa. Voilà. Voilà, donc vous voyez ces coffres. Voilà. Nous, on peut pas les casser. Après, je connais un endroit sur cette map où les gens se rassemblent. Les survivants se rassemblent. Juste que je retrouve. Ah, non, c'est pas là. C'est un endroit spécial. Les survivants se retrouvent forcément là-bas. Ah, oui, voilà, c'est quelque part par là. Voilà, c'est des balcons comme ça, c'est ça. C'est même ces balcons-là, je crois. Quoique. Ouais, c'est là-bas. Voyons voir, c'est où. Je vais monter dessus. On va voir si vous. Ah oui, c'est peut-être là. Oui, non, enfin, normalement, c'est là. Là, il y a énormément de survivants qui se rassemblent. Rassemblement. Voilà. 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 Un jeu bien sympa. Et les derniers à survivre gagnent des points supplémentaires. Non. Voilà, et toi je vais te tuer. Il est où le mec? Évidemment, plus on a d'armement, et plus on est résistant. Que ce soit zombie ou. J'essaie de commenter en même temps que de jouer, c'est pas facile. Tu lags, ta grande pompe, Mathieu.
Un commentaire fascinant de ZXZAX. Bonjour, ami zombie. Où suis-je? Oh le narc. Non, là on peut pas monter. Hop. Ah, alors, oui, il est. Ah, voilà, il est là. Mec. Mec crème. Ah, c'est pas lui qui a parlé. Putain, un monstre. Putain. Le premier à mourir fait un vrai carnage. Donc, en fait. Et du coup, le zombie qui tue le plus d'humains, il remporte autant de points que le dernier survivant. Allez, joli, joli, mais je lag. C'est pas juste. Ah, bah voilà, il est mort. Non, même pas. Pas encore. C'est un autre qui est mort. Bonjour. Bonjour. Il est où? Il est mort? Ah, il doit être mort. Ah oui, il est mort. Ah ouais, c'est celui-là, ouais, c'est ça, c'est le destructeur. Qu'ils Ok. Bon, en tout cas, j'ai rien, mais quand on tue les survivants, on a leur armement. Oui! Oh! Yes! Et ouais, voilà, j'ai achevé un survivant, voilà. Mon premier kill, je viens d'achever un survivant. Pas mon premier kill de ma vie, je vous rassure. Hein. Voilà, je viens d'achever un survivant. Le mec croyait s'échapper, là, je viens de le tuer. Ah, bah, c'est bon, voilà. Voilà, Kikou le roi. Il vient de gagner, voilà. Yeah, vous avez gagné un point, voilà. Si on a tué rien ou une personne, on gagne un point, voilà. Donc, 3 points pour le meilleur zombie. Tueur de survivant, 3 points aussi, voilà. Et il remporte aussi le dernier. Je sais plus, je sais plus, j'ai pas eu le temps de voir. Bon, voilà. Petite partie, voilà, bien plaisante. On va faire celui-là, juste pour vous montrer la différence. Voilà. Du coup, celui-là, on meurt. On peut s'amuser dans cette terre de jeu, on va pousser les autres mecs, s'ils veulent bien. Ok, je peux pas. Logique. Ah oui, d'accord, on est trop près. Ouais, je suis fait troller. Voilà, c'est bon. Ah bah je suis zombie, voilà, vous voyez, je suis zombie, je suis zombie. Voilà, le zombie est un nombre égal de survivants et de zombies. Ah, bonjour toi, tu es ma cible. Tu es ma cible. Alors, il se met comment? Humain pâteux. Ok, bonjour pâteux. Putain, je pars vite. Le pire, c'est que dans la réalité, je cours vite, mais je m'épuise vite. Oh, l'idiot, il est tombé. Ouais, mais en attendant. Ah, voilà. Voilà, donc là, c'est le fight ultime. Oh, non, 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 non. Ça, c'est pas normal. C'est zombie qui a peur des humains. Je me fais. Oh! Voilà, donc je vais mourir. Je suis mort! Et voilà, du coup on est fantôme ensuite et on peut regarder la partie. J'ai fait à quelqu'un. Oh, je viens de mourir. Et voilà. Voilà. Donc vous voyez la différence, là on meurt totalement. Voilà. Ah tiens. Oh. Et voilà. Donc aussi ça peut être soit les zombies, soit les humains qui gagnent. Vu comme c'est parti, ça a l'air d'être des humains. Oh oui. Ah bah on voit les autres mecs fantômes. Voilà. Bon, j'ai quitté la partie quand même. Allez. Voilà. Donc, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura bien plu. Enfin, j'ai un petit peu, je sais pas pourquoi. C'est pas parce que j'ai un PC de merde. Hein. Voilà, c'est une petite vidéo détente. C'est même pas le titre que je lui ai donné. La prochaine, je la ferai sûrement en multi avec une autre personne. Une autre personne sur une autre map. Je vais voir ce que je vais faire. Je ne sais pas trop pour l'instant. Voilà, c'est une petite vidéo détente de reprise de Minecraft. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. Que voilà. Et donc, n'hésitez pas à laisser les commentaires, pouces verts, tout ça, tralala, vous abonner. Tout ça fait très plaisir. Et donc, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!